Et salut tout le monde. Bon, vous l'avez deviné, on se trouve aujourd'hui sur la bêta donc de Star Wars Battlefront qui est sortie vendredi et qui dure jusqu'à demain, je crois. Le jeu sort fin novembre, si je dis pas de bêtises, ou mi-novembre peut-être. Du coup, voilà. Alors, pour commencer, on va dire que je suis très mauvais en FPS. C'est pas mon fort. Et surtout que ce jeu, j'ai pu tester un petit peu pour monter les niveaux, pour débloquer les nouvelles armes. Excusez aussi pour la voix, je suis malade. Donc je vais parler certainement du nez, puisque c'est l'angoisse totale. Du coup, je disais, ouais, pour monter les niveaux, parce qu'il y a un système de level en fait, où on débloque des nouvelles armes. Donc voilà les 4 armes qui sont disponibles dans le jeu. Donc on a en fait une mitraillette légère de base. Qui est plutôt correct. Une mitraillette lourde qui tire très doucement, mais qui vise très très bien et qui fait de très très gros dégâts. Si on joue bien, qu'on fait bien des headshots, il y a moyen de faire carnage. Le petit pistolet qui est très très fort au corps à corps. Il fait des dégâts corrects, mais il tire très très vite. Du coup, quand on est au corps à corps, même pas besoin de viser avec le clic droit, il suffit de cliquer gauche et tiens bon baraque. Et donc cette arme-là, qu'apparemment beaucoup de gens utilisent, alors elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle est extrêmement précise et on tire de super loin avec. Donc en fait, même si on sait pas viser, en gros on reste appuyé et il y a toujours une balle qui va toucher la tête et on va dégommer les gars. Et il faut voir aussi que je crois que le cooling power c'est le taux de surchauffe, c'est-à-dire qu'il y a pas, on n'a pas de munitions dans le jeu. On a une zone de surchauffe et plus on tire en fait, plus ça chauffe. Une fois que c'est arrivé à fond, on a un tas de refroidissement, donc on peut utiliser notre arme. Et donc celle-ci, on peut tirer vraiment longtemps avec, ce qui peut être plutôt pratique. Après, on a des objets secondaires à utiliser durant le jeu. Il me reste encore un débloqué que j'ai pas encore fini. Là, on a mon argent en haut à droite, donc il manque encore 1200 à peu près. Là, c'est le level. Alors, c'est capé au level 5, mais en réalité, les levels continuent à monter. Donc, on a la grenade. Pardon, attendez, excusez-moi. On a la grenade de base, donc c'est une grenade contre ben, les autres joueurs. Très très puissante, hein. Elle a une grosse zone. Enfin, vraiment, on fait vraiment des carnages pas mal avec. Le sniper, alors faut dire qu'il n'y a pas d'arme sniper dans le jeu. C'est un objet secondaire, donc on a un cooldown de 7 secondes pour l'utiliser. Alors Lion Shot, c'est en fait ça nous permet pendant 20 secondes, je crois, non 7 secondes pardon, de tirer en fait bleu et ça permet de faire plus de dégâts sur les sur tout ce qui est personnes avec des boucliers ou des robots. Vous verrez durant le gameplay. La grenade ion, donc ouais, c'est comme pour le ion shot, donc c'est la grenade pour les boucliers et robots. Le jump pack, alors moi je suis. Il y a plein de gens qui l'utilisent parce que c'est super pratique, on s'envole, on saute par-dessus les mecs, par-dessus les collines et tout. Mais je suis pas un grand fan parce que déjà un coup sur deux je l'utilise, je me tape la colline, je me bloque, enfin du coup, c'est pas super. Et le personal shield, donc il permet de créer un petit bouclier pendant quelques secondes qui nous protège des impacts de balles. Et on peut le tuer soit au corps à corps, soit avec des grenades. C'est plutôt pratique pour un certain mode de jeu que je vous montrerai après, parce qu'il y a plusieurs modes de jeu évidemment. Et donc cet objet-là, je sais pas du tout à quoi ça sert, j'ai pas pu le tester. Apparemment, il y a des levels différents. Je sais pas trop. Du coup, voilà. En termes de jeu, donc plus tard, on peut voir qu'on pourra, bon, on débloquera de diaporamas, donc des photos, on sera content. Il y aura aussi de nouvelles apparences que là, c'est bloqué durant la bêta. Les settings, je vous montre vite fait. Bah, moi j'ai tout mis à fond quasiment, sauf en fait le résolution scale qui augmente le fait la netteté plus fort. Après, moi avec mon 70, ça passera pas. Bah, y a rien d'intéressant à montrer. Donc, au niveau des missions, on a donc c'est le mode solo en fait, ou solo ou duo, je crois qu'on peut jouer à deux. Donc le training, ben, je pense qu'on peut tester sur les maps en training. En bas, les petites étoiles qu'on a, c'est une sorte de trophée qu'il faut débloquer. Et je vous montrerai après sur Survival. Donc là, on a que le Survival de débloquer. Battle, donc on pense que ça va être les combats avec les persos spéciaux qu'on peut avoir dans le mode multi. Donc c'est-à-dire on peut avoir Luke ou Dark Vador, en fait, c'est des objets qu'on ramasse au sol et quand on l'utilise, on se transforme en fait en eux, qui sont plus puissants. Donc là, ça va être des combats d'épée avec la force, etc. Donc le survival, c'est simplement des vagues d'ennemis à anéantir. Donc il y en a 4, on n'a accès à qu'un seul ici. Donc vous voyez, les étoiles, c'est ce qui c'est là en fait. C'est les différents modes, donc il faut faire le monde en normal, en hard, en master, sans mourir et en étouffé quoi. Pour pouvoir débloquer le.
on est content quoi, je pense. Ça sert à rien, mais on est content. Donc voilà, on peut jouer en partenaire, donc en coop ou solo. En termes de multiplayer, donc voilà, il y a plusieurs modes différents. Donc le Druid Run, on sait pas trop ce que c'est. Alors, j'ai pas trop lu de news dessus, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Cargo, il y a peut-être moyen que ce soit une capture de flag, peut-être. Je sais pas. Blast, donc Blast, ça serait. Je sais plus ce qu'il disait avec Blast, on en a parlé hier, en plus je me souviens plus. Fighter Squadron, donc c'est le combat de vaisseaux. Donc tout le monde dans les vaisseaux. Suprématie, ça doit être Team Deathmatch, peut-être. Walker Assault, donc ça c'est. En gros, je vais vous le montrer, mais c'est les rebelles donc contre l'Empire évidemment. Les rebelles doivent capturer des points, les garder, les défendre. Et bienvenue à toi, Sonjaska. Merci pour ton follow. Donc je disais, Walker Assault, c'est pour. C'est des missions en fait qu'il y a à faire durant le jeu, c'est-à-dire que. Bon là on a qu'une seule map donc du coup je peux pas comparer par rapport aux autres, mais en gros l'Empire dirige les donc les ces gros les AT-AT donc les sortes de gros robots géants là, et le but c'est de les détruire ces robots là avant la fin de du stage. Donc en fait c'est il faut capturer des points. Quand on les garde entièrement, on débloque des vaisseaux et durant les phases d'attaque, ces vaisseaux-là viennent leur faire des dégâts parce qu'on peut pas leur faire des dégâts tout le temps. Mais je vous montrerai de toute façon. La drop zone, c'est un truc donc c'est 8 contre 8, alors que là c'est 20 contre 20. 8 contre 8, et en gros, il y a des points qui apparaissent au sol, il faut les capturer et les garder. Enfin, on va vous montrer ça tout de suite. Je vais jouer avec. Il y a un ami, je crois, qui est connecté. Je vais jouer avec. Comme ça, ça vous montrera un petit peu le jeu en multi et que c'est le bordel. Et puis ouais, je vais vous montrer le système de partenaires qui est en haut en fait. Donc vous voyez, ça c'est les amis que j'ai dans ma liste. Donc lui, il est connecté. Là, c'est quand on les invite dans la partie. Donc je clique dessus et je vais l'inviter dans ma partie en fait. Et une fois qu'il est dans ma partie, donc il apparaît ici, je peux le mettre en partenaire. Ce qui permet en fait de, quand on meurt, de pouvoir respawn sur lui si lui est vivant. Et vice versa, si moi je suis là, il peut respawn sur moi. C'est plutôt cheaté à certains moments, mais aussi souvent on respawn sur lui pendant qu'il se fait tuer, qu'il est en plein au milieu d'un groupe et du coup on meurt aussi, donc c'est un peu à double tranchant. Faut faire assez attention. Du coup voilà, là je l'invite en partenaire, donc ça me permet de pouvoir respawn sur lui. Vous allez voir, il va passer vraiment son image, voilà, juste à côté de moi. Donc je suis le channel pour pouvoir passer avec lui. Voilà, re. Donc tu es en ligne sur l'internet. J'explique le système de partenaire et de groupe. Du coup, tu veux faire quoi, le Walker Assault, le Drop Zone? Non, assaut. Ok. Vas-y, je lance. Ah, c'est plein. C'est que j'adore ça, quand ils font ça. Mais je viens de lancer la partie, mais elle était pleine, du coup, tu pouvais pas rejoindre. Ouais, c'est bizarre des fois. Tu veux que je lance? Ouais, vas-y, essaie de lancer pour voir. Parce que là, ça m'a mis dans l'autre team, mais pareil, c'était plein. Pas de soucis, Sonjaska, pardon, des fois, excuse-moi. ça bug. Le jeu Pas demande. de si t'es groupé. Il faut pas se fier à. Il faut pas se fier à la config qu'ils demandent dans le jeu. Parce qu'ils avaient demandé un truc de malade, du 16 Go, une 970 pour avoir le jeu en mode normal quoi. C'est complètement pété en fait, c'est pas vrai du Normalement, tout. Hein. c'est bon. C'est de rejoindre. Ouais, c'est bon. C'est toi qui es bugué. Ouais, mais en fait, si ça m'était dans une partie, mais il y avait qu'une place quoi. Que pour moi quoi. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas, des fois, je sais pas, c'est les gens qui bug en fait. Hein. Parce que Ouais. logiquement, c'est pas censé faire ça. Ouais, mais non. C'est Mais moi, ça censé m'arrivait. réserver la place pour tes potes quoi, donc c'est bizarre. Mais je pense parce qu'il doit y avoir beaucoup de monde par rapport au nombre de serveurs. Du coup, le truc il doit un peu bugger. Il doit pas trop savoir s'il faut les mettre avec ou pas. Je sais pas. Je sais Ça va pas. être corrigé, Mais je le pense, système, d'ici il est là. pas mal quand même. Pas un peu bugué, mais il est pas mal. Mais ça groupe vite là aussi en plus. Hein. Bon, après, tu me diras, c'est la bêta donc tout le monde est à fond dessus. Donc avant de commencer la partie, on peut choisir le stuff. Donc moi je reste sur le truc Alors, de base. au fait, j'ai regardé des infos du jeu là. Ouais. Et en gros, ils disent qu'avec les crédits, tu peux des personnalisations et tout, c'est pas. Faut les acheter aussi en fait. Ah, ça sert pas que à. Bah c'est bien en même C'est temps, pas ça permet de évident. pouvoir avoir d'autres trucs. Donc il explique en Ouais, fait qu'avec l'argent, l'argent, ça fait pour les armes et tout quoi. ça sert En aussi plus, de. si vous avez beaucoup de crédits, tu peux acheter des races aliens et tout, c'est parfait. Dans Orbital Par Strike, en exemple, fait, c'est un les objet qui est jetpacks, utilisé les sur deux moi. dans ce Vous voyez moment. sur la carte en bas. Bah, c'est qui, non? Non.
Dans Star Wars lequel? C'est le dernier? Le mec avec des gros yeux et les plus verts là. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bah bref, lui c'est un alien mais en gros tu le joues. Ah oui, celui qui est dans le vaisseau de... Une sorte de poulpe là. Calamar ouais. Là. Ouais, même Yann Solo, il y a un moment il lui dit... Mais c'est celui où il y a la fameuse photo avec marqué It's a trap, enfin c'est un piège, et qu'on le voit, Nail Orbital, je sais pas où t'es, mais... Je sais plus trop. Mais je sais que... Enfin, je l'active. Dark Vador, vite, 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 vite. Alors, je parle en même temps, du coup je fais n'importe quoi. Donc là, vous voyez, j'ai pu respawn sur mon ami, en fait. Il est trop con Dark Vador, j'active et il me tue même pas. Bah, je suis à côté de toi. On le laisse où il est, on va aller là-bas. Mais... Putain, le mec là, TDB Totally machin là, il arrête pas de me snipe depuis tout à l'heure. Il est en haut de la montagne derrière toi. Où il y, y a le truc de le bouclier là. Il y en a deux là derrière. T'as un snipe en train. Je me fais éclater, alors vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Oui, il y a le vaisseau aussi qui dégomme tout le monde, c'est l'angoisse. Je vais les tuer là. Donc voilà, comme je disais, le système. Vous voyez en bas, j'ai mes objets. Donc quand j'appuie sur 1, je lance une grenade à Ion. Mon 2, c'est pour passer en mode. Donc le E, c'est pour pouvoir faire des dégâts sur les robots. Et 3, c'est sniper. Donc vous voyez, quand je snipe. Bon, je suis mort. En fait, c'est vraiment pas déséquilibré du tout. Hein. Ben, oh non, je me suis fait tuer au snipe. C'est plus compliqué de jouer rebelle quand personne connaît les règles du jeu, quoi. Perso, je préfère être rebelle. Hein. Genre là, tu vois, je vois 4 rebelles à nous qui s'amusent à tirer en l'air sur les vaisseaux, tu vois. Donc, Ah, mais les mecs, ils sont vraiment trop balèzes, quoi. En 2 jours de bêta, les chips, c'est des snipers, quoi. T'as vu ça? Enfin, mais en même temps, 2 jours de bêta, ils ont fait ça. Hein. T'en as, ils sont restés en haut des montagnes à tirer, les gars. Ils sont 3 là-haut, là, les... Mais en même temps, c'est bien. Donc le but du jeu tout simplement c'est de capturer en fait les points où on voit les satellites là-bas. Et quand on le garde suffisamment longtemps, il va se remplir de bleu. Une fois qu'il est bleu entièrement, vous voyez en haut à côté de... Il y a des petits vaisseaux en haut, là-haut, là, au milieu. Et en fait c'est le nombre de vaisseaux qu'on va pouvoir envoyer lors de l'attaque. Et plus on en a, plus on fera du dégâts et plus l'attaque sera longue et on pourra faire des dégâts longtemps sur les AT-AT, donc les... Les gens en bas ils ont pas compris que t'as un vaisseau pour faire les autres vaisseaux, tu sais, ils vont aller s'amuser à tuer les autres. Non mais là c'est n'importe quoi ce game. Ils font n'importe quoi les gens, je les vois, je sais pas ce qu'ils foutent. Et en face ils sont balèzes aussi par rapport à nous. Enfin moi je suis bidon alors du coup on règle le problème mais. Boum. Moi je suis bidon. Ça en vaisseau moi j'aime bien franchement le gameplay des vaisseaux. Putain, je me prends des orbitales, je me prends des trucs dans tous les sens, quoi, c'est ouf. Je vais essayer de vous montrer les objets un petit peu au sol. Non, c'est des campeurs, je vais aller les décamper. Ça campe tous du côté gauche, la montagne là. Ah merde, il est arrivé derrière moi. Dans la montagne, c'est dur à les décamper, il y a un vaisseau là. Mais le mec, il arrive derrière moi, il vient de me tuer, je respawn, il est re derrière moi. Putain, je sais pas. C'est des vrais campeurs, le mec il a mis des tourelles et tout en haut. Oui, ils aiment bien faire ça là-haut. Mais attends, le mec il me one shot à chaque fois quoi. Ah, il me one shot à tous les coups le type. Mais il a même pas de sniper en plus. Mais non. Abusé. 71 à 1, look son nom en plus. Ouais. Et le nom du mec. Un Nova. Ouais, je vois, le mec utilise le aimbot et tout quoi. R 78 à 1. Vas-y. Ah ouais, alors lui, là, je comprends pourquoi il dit qu'il y a des shit. 86 à 1, le mec. Ah mais tu te demandes ça à quoi franchement de faire ça.
Je sais pas, ils sont contents, hein. Ben. Putain, franchement, c'est abusé, quoi. Bah, c'est bon, quitte la partie, on rejoue notre partie. Ça sert à rien là, s'il y a un gars qui chute en face comme ça. Ouais, c'est abusé là. Le type Moi, je vais juste décamper l'autre en haut, il va ruiner toutes les games, quoi. Et comment ils font en plus? C'est marqué retourne au combat. Ah si, ah ouais, ok. Moi, ça retourne au combat, qu'on va. Non, parce qu'en fait, quand tu montes sur la montagne, il est marqué retourne au combat. En gros, tu décides de retourner au combat, quoi. Et après, quand t'arrives en haut, c'est bon. Ah, là, c'est vraiment une game 96 AD, le mec. Ouais, mais sûr, c'est totalement possible. Non, mais tu le vois, le gars, il a une mitrailleuse, il a des attaques. Non, mais il one-shot tout le monde en fait. Vas-y, je quitte. Ça doit être un jeu gratos là. Ouais. Les mecs, ils cheat, ils cheat, ils cheat. Ouais, donc il y a énormément de bans sur le jeu. Quand je relance. Vas-y, c'est bon. Énormément de bans pour cheat. C'est bon, je suis dedans. Mais je pense qu'il n'y avait pas que lui qui cheatait dans la partie là, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient bizarroïdes, quoi. Ah, je dis pas qu'il n'y a pas que lui, mais en tout cas, lui, il parce se cachait que pas. Je veux bien quand t'es un sniper, tu mets une tête à l'autre bout du monde, pourquoi pas, tu vois. Mais quand tu roules la montagne et que tu tires 3 balles, même pas, tu tires, tu restes même pas plus, le jeep il tire 3 balles, il me one-shot à chaque fois que je passe devant la colline, à la mitraillette, bon. Oh non, mais ça avant je te disais, ouais, mais non, mais c'est des. Il avait un snipe machin, mais en fait, non. Non, ça se marque il quand tu tues avec. Montre bien, tu sais, qu'il a pas de sniper en fait. Donc là, des rebelles encore. Il y a un mec dans la tourelle au milieu. Ouais, je l'ai vu. Ouais, bon, il est mort. Il y en a dans l'autre tourelle aussi. Il y a un ATST. ATST, ouais, fais gaffe. Ouais, j'allais le tuer avec mon vaisseau. Donc l'Empire en fait a beaucoup de trucs, hein. Ils peuvent utiliser l'autre tourelle de défense. Ils peuvent utiliser les ATST, que ce sont ces petits robots là, machin. Et ils ont aussi les ATAT, donc on peut trouver des objets au sol. On en a pas vu encore pour l'instant. Je vais essayer de vous en montrer un sans me faire tuer. Je fume le vaisseau et après je viens. Et ils ont aussi bien sûr les vaisseaux et qu'on peut aussi nous avoir. J'essaie d'en prendre un si j'en trouve un. En fait, j'ai des objets au sol avec des logos. Et quand on les utilise, ils se mettent sur le cercle qu'on a en bas à droite de mon écran. Il y a un gars là-bas. Oh là là, je prends tellement la max. Ah, je prends la max là, il y a des grenades partout. Il l'a tué. Alors, je suis bidon, hein, je vous l'ai dit. Oh merde, il y a la TAT qui me tire dessus. Moi, je vais venir aider. On est en train d'essayer de tuer un mec, il était chaud. Y'en a des ATST là-bas? Ouais, y'en a un. Y'en a un, ouais. Ah, j'ai tiré avant, quoi. Ah. Je trouve pas d'objet au sol. Ouais, ils le prennent tous. Ouais, y'a Darvador. Fais gaffe quand il fait ça, il est devant toi. Ouais. Tiens ma grenade. Toi, ça lui a rien fait. La fumée d'Arvador. Donc Dravador en fait c'est un objet qu'on peut trouver au sol. 18 à 0. Qui nous transforme en fait. Il est dans un truc. Il y a un mec dans la tourelle. On a pété. Après, tu sais même plus qui cheat ou quoi. Bah, après, ouais, c'est possible, mais c'est un peu. Voilà, donc là, on vient de capturer un point. Et vous voyez, il y a un logo bleu qui se remplit. S'il se remplit entièrement, on aura un vaisseau en haut. Hop, là, voilà, mon coéquipier vient de ramasser un objet.
Et on passe un vaisseau. Bouclier, là c'est un bouclier. Oh, vas-y. Donc voilà, là il pose le bouclier, on est protégé quelques temps pour des balles. Pas des grenades ni des trucs de snipe. Fais gaffe, bouge, parce que tu sais qu'on peut te sniper. Hein. Ouais, je sais. C'est même abusé, même. Ah, on a Luc. Y'a un mec en face. J'ai acheté une grenade. Donc, quand on entend la musique de Luke Skywalker, c'est qu'on a quelqu'un qui a utilisé l'objet de Luke. Et quand on entend la musique de Darth Vader, de l'Empire, c'est que quelqu'un a Darth Vader, simplement. C'est encore un bouclier, je pense. Putain, le mec s'est écrasé carrément avec son vaisseau à côté de moi, quoi. Ouais, mais ça fait rien. Vous voyez, ça s'est rempli une fois. Attends, excuse-moi, j'ai appuyé sur le bouton avant que je parlais. Ça s'est rempli une fois, on a eu un vaisseau en haut, donc on aura un très court temps de... Attention, il y a une frappe orbitale. Putain, je suis mort. Ils arrivent par... Bon choix avec les vaisseaux, les mecs. Hein. Il y a un TST là, pour le tuer. Ils vont désactiver le truc là-bas, putain, vite. Ah, il aura le temps de faire un tour, je pense. Ouais, il a eu le temps. Je l'ai tué aussi. Putain, je me fais flinguer par les vaisseaux quoi, ils visent bien les mecs, ils sont balèzes hein. Dans les Ouais. Non, attends, moi je vais aller prendre ça, j'essaie de les fumer. Ah, c'est la phase là, merde. Ouais. Donc pendant la phase en fait, voilà, donc là on a nos vaisseaux qui y vont. Il faut qu'on fasse des dégâts sur les grosses bières. Sauf que le problème c'est que bah, là on avait que deux vaisseaux donc elle est assez courte. Voilà, c'est fini. Je tire avec le laser, tu sais que ça fait super mal. Oh, je l'ai eu. Je l'ai pété le vaisseau. Mon premier coup. Hein. J'essaie de faire le deuxième. Et descend pas assez là. Il y a un TST qui arrive du côté gauche. Ça, je vais le faire. Donc là vous voyez en haut il y a plusieurs, il y a les trois cercles en haut qui correspondent en fait à la progression du truc. Donc là passer la première phase, c'est en trois phases donc. Oh, regarde les dégâts que je lui fais là-bas. Tac, il a la moitié de la vie. Ouais. Ouais, qui tient. Je suis à côté. Viens, viens. Ouh. Ouais, les mecs, je sais pas comment ils font, mais dès que tu rentres dans une tourelle, on dirait qu'il y a un truc qui leur dit il est dans la tourelle. Instant, hein, les mecs. Il y a deux vaisseaux. Il y a deux vaisseaux, je vais pas m'en aider, ils peuvent le fumer, attends. Putain, ils l'ont désactivé. Mais je trouve quasiment aucun objet par terre, c'est bizarre. Tout ce qu'ils sont au point de gauche là. C'est la guerre. Donc vous voyez, par contre, le problème c'est que ça, on est très limité à la hauteur pour shooter les vaisseaux. On doit vraiment attendre qu'ils soient bien devant nous. Ils arrivent à la fin. Tu prends le coup de sniper. Je comprends pas, je suis premier, j'ai fait 7 kills. Moi j'ai fait 1 kill. De détruire les ATST. Moi je fais que dalle, j'arrive pas à mourir. Tu vois, ils ont fait 15 kills et tout, mais ils, sont... ils font que 10 kills en gros. Allez, je vais l'avoir, je vais. Putain. À ce moment-là, tu peux rien faire quoi. Il y a le gros, il te vise, tu peux. Ouais, ouais, quand tu passes devant la porte d'entrée et tout, là c'est l'angoisse.
Parce qu'en fait il passe pile à ce moment. Eh putain, attends, regarde, il lui quand même. Ils arrivent. Je suis Luc. Faut que j'essaye d'esquiver les. Il y a trop de fight. Putain, il y a une orbital trail sur moi. J'ai fait un kill, n'importe quoi, il se date sur moi. Ouais, ça me fait ça à chaque fois. Ouais, je suis désolé, c'est par rapport à ma connexion en fait. Si tu veux, je suis que en ADSL. Ce qui fait que je peux pas mettre plus que ce que c'est actuellement. Tu peux pas mettre en plein écran en fait. Faut que tu regardes en écran de base sur Twitch quoi. Parce que je n'ai pas la fibre tout simplement. Ah ok. Ouais, c'est la phase là, je les appelle. Ouais, phase, ouais. Bon, tu peux rien faire, tu peux même sortir. Tu peux rien faire. Pas là, l'infini. Non, mais les mecs, ils ont juste à camper les portes, t'es bloqué quoi. Les mecs, ils restent collés devant la porte, ils font n'importe quoi. The walker is exposed. Ah, comment il est nul la game. Non, mais c'est. Le jeu est vraiment mal foutu. Hein. Les maps sont pas super. Genre là, tu vois, tu es bloqué dans l'intérieur si tu restes pas dans l'intérieur. Et les mecs, ils ont juste à se mettre devant les portes, à tirer à l'infini quoi. Ouais, grave. Donc t'es sûr que les mecs ils vont sortir par là vu que c'est les seuls points de respawn. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose par rapport à ça. Parce que tu penses à sortir de la même endroit. Mais y'a que deux portes. Non, 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 il y en a plusieurs. Il y en a au loin encore. Il y en a au moins 4 des portes. Faut juste que. Là, c'est pareil là. Là, c'est de la merde. Parce que là t'es obligé de traverser tout le. Ouais, j'ai vu Luc. T'es obligé de traverser tout le truc sous les pattes du machin pour aller au Link quoi. Oh, je me fais tuer en boucle. Non mais j'ai tué. C'est du tir au pigeon. Ah voilà, là on a un objet, voilà, je le ramasse. Et les tranchées sont trop petites. Oh, voilà, j'ai une roquette. Moi je me tire. On a tué Dark Vador. Non mais ils sont tous dans nos tourelles en fait. Dès que je spawn je me fais tuer. Grave. Et vraiment dès que je spawn je fais 2 mètres, je suis mort. Faut qu'on fume la tourelle là. Au point. Ils devraient les placer différemment. Il est sorti, c'est bon. Ma grenade, mais elle a mis 15 piges à exploser. Ouais, les ions, elles t'explosent que s'il y a un robot à côté. Ouais, ou que si tu la jettes dessous. Tant là, c'était juste à côté. Allez, active-le. Ah, on a un vaisseau, je peux vous montrer les vaisseaux. Donc j'appelle le truc. Donc là on a eu un speeder, je crois, c'est quoi? Non, je sais pas ce que c'est quoi qu'on avait eu. Il a 3 différents ou 4. Oh, ça lag non là? Ouais, j'ai fait un gros lag. Mais mon avion, moi, il s'était déporté. Il fait avant-arrière, avant-arrière. C'est incontrôlable.
T'as lequel l'avion? Le speeder, le truc tout plat là qui sert à rien. Tu l'as là? Bah oui, j'ai le. Mais le plat! Mais c'est un. En fait, l'avion il fait avant-arrière avec le lag. Celui-là, il faut que j'arrive. La dernière fois j'ai failli arriver. Là, la phase elle aurait été un tout petit peu plus longue. Tu vois, regarde, je suis premier, je fais 12 kills. 3-23. 3-22, je vais m'écraser en fait. Ça passe à 23. Bon, la phase rebelle est super compliquée parce que la plupart des gens savent pas qu'il faut faire les objectifs ou s'occupe pas des objectifs. Voilà, du coup, c'est un peu la merde. Alors que là, vous allez voir, la phase Empire est plus sympathique à jouer parce qu'elle est beaucoup moins de prise de tête au niveau des trucs. Là, par contre, enlève la Young Grenade, hein. Mais là, voilà, normal. Parce que la Yon, elle... J'aime bien la garder, la... Mais elle sert à rien. T'es malade, toi, les tourelles. Mais y'a pas de tourelles, là. Mais si, y'a des tourelles. Ouais, non, tu vois. C'est tourelles. À moi que ça sert. Tu vas prendre l'avion, là, direct? Non, tu vas sur la TST. Non, là, vous avez pu voir, y avait une forme de logo, en forme de robot dessus. Et quand on le prend, en fait, ça donne la TST. Mais là, ça lag, hein, putain. Mon perso, il fait des petits avant-arrière. Ah oui, d'accord. Ça tire dans tous les sens. Du côté gauche, y a masse monde. Ouais, je sais, j'y suis, mais... C'est pas grand chose quoi. Et je me fais tuer par qui là? Ah, y'a un mec dans la montagne. J'ai pété la tourelle. Et mon truc il a plus de vie là. Ouais, je descends, hop. Oh, je suis sorti pile avant. Je crois qu'en fait la meilleure arme à prendre c'est le pistolet. Hein. T'attends qu'il s'approche de toi et tu fais rafale. Oui, il y en a un dans la tourelle. Ah oui. Bah tu vas, hop. Plus de tourelle. Oh, je prends plein de dégâts, c'est quoi ce soir? T'es le vaisseau. Faut qu'il serre mon grenade. Eh, y'a un mec en haut. Ouais, mais j'ai désactivé le truc. Oh merde, le mec qui est passé devant moi. J'ai changé d'arme parce que là j'ai pris la grosse mitraillette pour voir, mais j'aime pas. Enfin, tu sais, la mitraillette longue là, le truc bizarre. Ouais, le. Ouais. Ouais, Dark Vador. J'ai vu le prendre. Ah, donc vous avez vu Dark Vador, c'est. Bon, allez. Là ils ont qu'un seul vaisseau donc en fait il faut qu'on désactive avant que ça fasse des... Là y'a un gars. Vas-y, je désactive pendant que tu tues. Vas-y. Ok. Pour l'instant je fais... Tu sens toi. Je tue tout le monde là. Ah là je suis en sans faute. Oh, je vais aller les voir où ils sont là. LOL. Le carnage. Tu les as tués à distance? Attends, c'est l'épée. Non, je les ai tués avec le truc de la fin.
crois que j'ai fait un carnage. Merde, je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir le temps. Mais ça faisait pas de prix. Lol, on a pas de la ce que je veux. Ah ouais, les pop des fois ils sont un peu spécial. On est sur eux quoi. Ouais, le pistolet il est sur le premier. Putain, le mec j'ai mis une balle dessus, ça l'a pas tué quoi. Balle de snipe là. Ouais, ça one shot pas. Je sais pas combien de temps mettre, mais voilà. Mais ça dure quoi? Les tourelles à repop. Je sais pas. Instant dès que t'as tué le mec. Non, je sais pas. Parce que là, il y en a une explosée, elle est morte explosée. Oh, je me fais tuer dans tous les sens par des trucs, je comprends même pas ce qui m'arrive. Orbital. Vas-y, je peux. Ah, c'est ça. Bon, je désactive. Ça y est. Et moi je te conseille le pistolet. Hein. T'as chaud au pistolet là? Ouais. C'est vraiment la meilleure arme. En tout. Que ce soit dans la map là, l'autre map. Ah oh, putain, mais dès que tu t'arrêtes 2 secondes pour tirer sur quelqu'un, y'a des mecs qui t'arrêtent dans tous les sens pour te tuer quoi. C'est atroce quoi. Moi je vais y aller lui. J'attendais juste ça. Il va y avoir la phase, mais ils ont 3 vaisseaux quand même, c'est pas mal. Bof. Bon, t'es que le pistolet là, je n'avais pas pensé à ça. 2. Je sais où on va aller là-bas pour la phase. Tu te rappelles où j'avais été la dernière fois où il y avait les tourelles? En haut? Non, en bas. En fait, en bas, il y a... Mais ouais, mais tu fais quoi en bas? Le but c'est de tuer les mecs qui sont en train de tirer sur les vaisseaux. Non mais justement en bas il y a des tourelles. En fait en bas il y a des tourelles et les tourelles font plus de dégâts que c'est toi tu pourrais tuer. Putain, il prend cher là le truc hein. Ah oui mais je... Il y a Luc. Il est où? Je ne pas. Il est à gauche. Ah j'arrive. Je suis en Dark Vador là. Allez viens mon fils. Tu casses ta douche. T'es prêt à voir le combat? Vas-y. Il va mourir avant. Il est rentré à l'intérieur, speedy. Où es-tu Luc? Il est où ce connard? Il a tué des pop. Ah il est là, il est devant le garage. Devant le garage. Donc là j'ai eu la TAT, en fait je vais pouvoir rentrer dans le gros truc en fait, donc la TAT, le contrôler pendant un petit moment, une minute je crois. Ah oui c'est clairement une boucherie, je te promets ce jeu, des fois tu comprends plus ce qui se passe. Je vais lancer une petite frappe orbitale là non? Une petite frappouille. Donc j'ai là, je suis dans la TAT hein. Donc, oh là là, 3 kills. Oh là là mon dieu, c'est la fiesta. Donc j'ai toi la mitraillette légère qui est en hauteur. Ce qui est bien c'est que c'est limité dans ce... Les frappes orbitales. T'as une minute. Et le canon. Donc je choisis à chaque fois, je peux changer. Par contre je peux pas tourner là où je vais roder là. Bam bam bam. Alors là c'est le carnage monstrueux. Ils sont débiles ceux qui foncent dans le vide là avec leur vaisseau, sérieux. Vas-y, je tire à l'intérieur du bunker là. Je suis là maintenant. Oh, il y a un ATST, je vais y aller. Ça va faire du dégât ça. Ouais.
peux l'enlever. J'ai mon écran qui part en couille, ça tremble dans tous les sens tout seul. Ouais. Ça tremble. Il est malade ton bonhomme. Ah, en fait quand je marche ça va, mais dès que je cours le gra... ça bug. Putain, le mec il reste. Il restait rien quoi. Ah, je vais voir en mourant si. Non mais ça rebug encore là. Je sais pas. Oh, ils ont 5-6 vaisseaux là. On est, c'est la mort hein. J'arrive. 5-6 vaisseaux. Ça. Ah oui, là-haut. Ah, merde. Toi, tu parles des vaisseaux, moi je sais pas, je peux prendre des... Sur dessus là derrière. Il est sur la montagne. Dessus de la montagne. Là. Eh, tu me fonces dedans quoi. Comme il avait plus de vie, Marcus, c'est pas. Quel escroc. Oh, je tire à côté. Moi je vais reprendre la TST. Hein. Ah, on est bloqué là. Il campe en haut là. Ouais, je les vois. Alors ça campe à l'infini dans ce jeu, c'est vraiment chiant ça par contre. Les mecs qui campent et du coup ils campent dans notre dos. Donc quand on respawn en fait ils sont dans notre dos et puis ils sont en train de camper au snipe ou des cornets comme ça et on se fait rouler dessus. Les points de spawn sont pas au top quoi. Oh mais on est mort mec hein, t'as vu combien ils ont de vaisseaux. Alors là il va falloir des fous prendre la mort. Mais t'as tous les vaisseaux en plus là. Bah c'est ce que je parle. Les vaisseaux ils conduisent bien les mecs hein. Ah, j'en ai marre de faire tuer toujours par les mêmes mecs là. J'avoue là que c'est chaud quand même. Putain, je fume tous les petits là. Là à gauche, dans la colline, il est là. Putain, j'ai mis une balle à la tête. Hein. Je fume tous les petits là. Masse de dégâts ces petits enfoirés. Personne le tue lui là, il est où? Putain mais ils ont pas fait beaucoup de dégâts hein, au truc. Ils auraient pu en détruire au moins un quoi d'ATAT. Mais là avec ce qu'ils avaient ils auraient pu détruire au moins un ATAT quoi, ils ont pas fait Oh. Ça te le fait toi le lag que ton perso il fait avant-arrière? Enfin, on dirait qu'il... Ouais, je t'avoue, je sais pas parce que je suis dans la machine. On va essayer de pas se faire écraser. On va bien ramasser l'objet qui est par terre. Mais... Oh, le mec il l'a pris, putain, fait chier. Vas-y, y'a un ATST en bas. Avec l'ATST, je dégomme tout le monde. Oh, il l'a pris quoi, les types ils se jettent dessus quoi. Personne m'a détruit, je suis clean. Oh, y'a un ATAT là. Je le prends direct. Détruis le maximum de toiles. Allez, y'a quoi de faire avec l'ATAT? Ils vont remplir au fond là-bas le vaisseau. Oh, y'a un ATAT. Fais les frappes orbitales là avec la tête. J'ai fait. Oh là là, il y en a au moins 5 réunis là. Mais j'ai pas trop tiré en fait. Ils ont tous sauté.
Ah, le problème c'est qu'ils esquivent direct. Y'a plus personne ou quoi? Je vois personne sur la carte, ça dézoome. Oh ça banne là, putain, t'as vu ça en haut? Ah, j'aurais dû regarder si l'autre s'est pas fait ban. Non, j'ai pas vu son nom. Putain, y'a un AT-AT encore par terre. Oh non, ils m'ont tué. Y'a un gars dans une tourelle. Y'a un gars dans une tourelle derrière nous en fait. Moi c'est fini là ma tourelle. Mais ils ont qu'un seul vaisseau, c'est bon hein. Ah, c'est la phase. Oh putain, 25 c'est encore. Heureusement qu'on en a pas beaucoup de. Attends, il l'a attaché le vaisseau. Il l'a attaché, 1, 2, 3, il fait 2 tours. Là je le vois. Il a pas eu le temps. Ah, dommage. Donc parce qu'en fait, avec ces vaisseaux là qui volaient, le gars que je tirais dessus, on peut attacher une corde. Je sais pas. C'est le vaisseau de la dernière chance en fait. Il attache la fameuse corde comme dans le film. Il tourne autour et au bout de 3 tours en fait, il fait tomber, il détruit en un coup peu importe la vie qu'il a. Ça marche, la TST tout, je fais 45-12. Ah bah la TST c'est carnage ouais. Je sais pas comment j'ai fait, moi j'ai pas eu mon score. C'est la seule arme où je fais le plus de dégâts quoi. Les autres je fais 0 dégâts. Je meurs tout le temps gros. En gros ce qu'il faut faire, tu prends le pistolet et le sniper. Le pistolet, le sniper. Ah ouais ouais. Bah après, y a pas vraiment d'armes meilleures que d'autres, c'est juste si ce que toi tu joues le mieux avec quoi. Bah ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression que souvent je suis en corps à corps contre les mecs hein. Quand tu dois défendre les trucs ou attaquer les trucs. Moi je me fais souvent tuer par des mecs, je sais pas d'où ils sont quoi. Enfin d'un coup je me prends une balle. Oui je sais, ça c'est sûr, quand tu te mets à corps à corps. Mais là ouais y'a du gros lag hein. Je sais pas si c'est moi parce que je stream. Ouais, non, là, salut Nico, retour en arrière. Comment tu vas? Ça te fait aussi des petits retours en arrière? Ouais. Y'en a un en face en haut de la colline à gauche. J'active. On est à gauche nous, je suis à gauche avec un gars mais putain ça lag, c'est chaud quoi, y'a trop de gens le dimanche. Les gens ils sont chauds patates. Ah ATST à gauche. Ah je sais. Je vais aller me le faire. Je lui ai fait mal là. Ah putain je suis descendu du machin mais il a quand même détruit la tourelle, ça a explosé, ça m'a tué. Ouais c'est sûr qu'il y en a testé là aussi. J'essaie de lui mettre le max mais j'arrive pas à le tuer. C'est bon, il va crever. Je vois le mec en bas. Ils sont 3, 4 ils sont. Ils arrivent pour désactiver le point. Les dégâts trop faibles. Le problème c'est qu'ils nous désactivent juste avant les points, on a rien. Ouais. Le problème c'est qu'ils sont pas trop faibles, c'est juste qu'il faut faire que deadshot en fait. En fait il faut viser que la tête. Ah mais comment elle est puissante la petite, c'est un truc de ouf. Il faut viser que la tête. Et le problème c'est que moi je suis bidon quoi. Oh là là. Il esquive. Vas-y je fonce sur lui comme ça il va pas t'avoir. Voilà je me suis fait snipe, ah ouais c'est la tourelle. J'allais dire il y a un cheater mais en fait c'est la tourelle. Ah
Parce que tu vois, regarde les dégâts faibles, moi les mecs ils me dézinguent. Les mecs ils me dézinguent moi, c'est alors je parle pas au snipe, je parle même au... Même au pistol hein. Je me fais complètement dézinguer par les mecs. Bah moi j'aime bien la, le petit pistolet là que j'utilise. Ah ouais, moi je meurs. Hein. Là je suis à 3-4, ça va encore mais... Dark Vador il m'a pas vu, je me cache. What? Attends, j'ai été tué par un mec, il est invisible, il a pas marqué de pseudo. Hein? J'ai été tué par un mec, il est invisible, il a pas de pseudo, pas de pseudo écrit. Genre il y a marqué vous avez été tué par rien. On s'est fait violer. Pareil, mais moi quand je les touche, j'ai l'impression de. X-Wing. Ouais, la même quand je leur tire dessus. On en a qu'un là, c'est un peu puant. Hein. Ah ouais, ok, en haut il y a que des sauts ennemis. Il y a que des vaisseaux ennemis en haut, il y en a au moins 3 ou 4. Ils dégomment tout depuis tout à l'heure. Personne va prendre les vaisseaux, c'est n'importe quoi. J'ai réussi à en dégager quasiment un, mais bon, sinon. Ah bah y'en a un qui s'est écrasé au sol. Non, merde, j'ai loupé, putain. Ah, ça campe quoi, ça campe et c'est trop chiant ce jeu. Franchement, cette map elle est chiante pour ça quoi, les campeurs quoi. Il fait une embête d'essayer d'y aller. Elle a disparu. Il m'énerve le snipe. Oh mec, qui tue au snipe. Y'a un mec en haut qui campe, putain. Ouais, tu fais de l'avoir le snipe, je t'avoue. Oh putain. Tu te fais snipe, tu te prends une orbitale et devant toi t'as un robot qui arrive quoi. Et je me sens tout nu quand j'ai pas mon orbital. Je me fais tuer comme un caca. J'ai mon orbital, mon pack. Ta barre pas activée, c'est fini là, la phase. Ouais, attends, parce que je vais lui foncer dessus à lui. Ça commence, la phase commence. Ah putain, je peux pas me rapprocher. Y'a un gars dans la TAT quoi, instant il me tue. On se fait violer quand 3 et 4. 19% le vaisseau. Qu'est-ce qu'il a pris là? D'où il a perdu cette vie d'un coup là? Mais d'où il a pris autant? Aucune idée. Soit il y a un cheater, soit... Soit je sais pas mais... Tout le monde s'est mis avec des tourelles sur sa tronche, c'est un peu... Ouais, peut-être qu'on a tout focus... Waouh, wow, c'est pris un... Mais c'est chaud, absolument putain. Absolument impossible. Je me vois lancer des grenades en double tellement ça lag. Uplink offline.
C'est vrai que c'est abusé qu'ils puissent remplir les toiles et tout. Bah surtout que tu peux même pas les détruire pour qu'elles soient plus utilisées parce que les mecs après elles te réparent tout seul quoi. Non moi je trouve que c'est pas le plus cheaté de leur truc. Du moins le plus nul en fait c'est que les vaisseaux ils sont tellement mal placés quoi les nôtres. Genre pour avoir le vaisseau il est devant la porte alors que tu sais qu'il y a le gros là qui va tout nous déglinguer. Ouais ça mais en plus le vaisseau il peut tirer directement à l'intérieur hein, tu sais. Enfin la TAT là, y'a un gars qui va désactiver à l'intérieur. Ah j'y vais. Ah t'as un Luke en plus. Ou un Dark Vador. Non mais... Je vais essayer de rentrer à l'intérieur et de déglinguer mais ça va être chaud parce que c'est bien. Je vais mourir avant d'entrer à l'intérieur. Bon allez. Je rentre. T'es avec moi, suis-moi. Ouais, tu vas trop vite. Ouais, plus personne à l'intérieur. Putain, mais y'a des mecs qui ramassent tout par terre quoi. Ils s'en battent la race, hein. Ils ont déjà un avion, mais ils vont ramasser tous les trucs qu'il y a quoi. Putain, la DST est trop puissante. C'était évoqué avec ça. Un vaisseau. Il y a le super héros qui va revenir sans se fumer. Il y en a deux. Eh l'autre il a la TST, il tire au pif dans le bunker, il te tue. Pendant que tu défends quoi, c'est con. Oh putain, et puis il y a un mec partout. Moi j'ai tué Darkman. Quoi cette phrase en rouge là? Ah je t'ai dit le warning je sais pas quoi qui apparaît en bas là. Ouais. C'est un bug. Faut fumer la TST, c'est pas des grenades. Oh là là, la grenade, mais quel enculé. Tu peux rien faire quoi. C'est bon, il est mort. Ils vont le désactiver, on aura pas le temps de. Il défend l'intérieur, t'inquiète. Ils vont rien désactiver du tout. Ça va commencer là. Ça va commencer la phase. X-Wing incoming. J'arrive. Le vaisseau là de moi. Le vaisseau est sous le vaisseau normalement. Non, c'est pas le même, c'est pas le même. Ah, mais je meurs direct quoi, c'est chiant! La même, t'inquiète. Par contre, on pop trop loin, je trouve. Ouais, là, ouais. Le temps de faire tout le tour, machin, tu connais même pas le chemin. Ouais, c'est mort. Putain, et les gens ils te bloquent, hein. Ils foutent les boules, franchement, ça fait craquer lui. Ouais, il est pas mal, après, j'ai peur que ça fasse un petit peu comme Destiny, tu sais, c'est. C'est un petit peu le jeu qui va être à la mode pendant un mois, et après, il y aura plus personne pour jouer, quoi. Oh, c'est toi qui es déjà là. Oh putain, c'est celui-là qu'il faut, c'est exactement là où on va le trouver ce vaisseau-là. Mais pour l'instant, il sert à rien. J'ai un petit peu peur que, ouais, le jeu il soit. C'est quoi, je vais essayer de me balader avec ce vaisseau-là. Test. Pendant la phase. Le temps que les gens ils activent le truc, ils essaient de le fumer, il faut qu'il y ait beaucoup de trucs, au moins deux quoi. Oh, plus deux. Il me faudrait au moins deux phases.
fait péter. En plus, si je suis au loin, je peux y arriver. Bon, on teste le jeu. L'avion, je veux dire. Ça lag trop les avions, c'est abusé. En avion là? Ouais. Moi je suis en train de tourner en rond pour essayer de vivre. Avec mon vaisseau. Non mais ça sert à rien, laisse tomber là, les avions, c'est trop tôt pour cela. Non mais justement, je suis en train de faire avec. Là on a deux vaisseaux, si on tire là, j'arrive à le garder, on gagne. Si j'arrive à le faire, oui, non. Oh là là, oh, ça, oh gars, ça lag tellement que mon écran il est resté tout noir. Et ça veut pas me remettre sur terre. Bah je peux pas. J'ai l'écran, il est noir. Oh non, c'est mort, il y a deux vaisseaux qui arrivent. Trois vaisseaux qui arrivent. Well done. We've activated the uplink. Now defend it. Ah l'enculé, le camper quoi. Il campe carrément, il accroupit, collé au truc pour activer. Ah ça lag trop le jeu là, c'est injouable. Mon perso il fait avant-arrière, avant-arrière, c'est trop chiant quoi. Plus tard je vis là mais bon c'est chaud. Il y a trop de vaisseaux, ça va être la merde de le faire le truc. On a que deux vaisseaux, de toute façon ça sert à rien ce que tu fais là. Enfin, on a que deux. La dernière fois on en avait un, j'ai quasiment réussi. C'est rapide à faire. Faut juste. On met l'orbital qui te touche. Donc t'as le temps encore. Le temps que j'y aille, toi, je fais un petit peu d'accélérateur. J'aimerais bien arrêter de mourir en boucle, par contre c'est possible parce qu'ils me font. En fait, ils te font spawn, t'es même pas dans les tranchées, donc le temps que tu rejoins une tranchée, tu te fais tuer. Trois vaisseaux quand même. Hein. Ouais, le jeu est pas mal après, mais c'est un peu n'importe quoi hyper en fait. Faisable, hein. Hyper faisable. Ça va commencer. Moment, ça va commencer. J'arrive, je suis en chemin là. Tadam. Ah y'a le deuxième, il y a deux à le faire. Putain j'arrive pas. Le mec il faut aussi. On est deux. Mais y'a pas la corde hein. Si 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 si. On veut tous le faire même, on est à 10. Il est tombé. On est gagné. GG. Comment essayer de le faire. J'ai vu vous étiez sans vaisseau en train de le faire. On est au moins 4 en train de tourner autour. Il y en a qui me demandent comment est-ce que tu as fait. Ouais, mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, la dernière phase, en fait, tu fais ça quoi. Ouais, ouais. En fait, la dernière phase, c'est impossible sinon. C'est ça, c'est le seul moyen en fait. Parce que si tu regardes bien, même si t'as genre 6 vaisseaux en dernière phase, il va péter le truc avant. Lol. Je voulais le faire, mais il y en avait déjà deux qui étaient en train de le faire. Un qui a foiré, je crois, et un qui a réussi. Ah, oh mais je pense que comme il y en avait déjà un qui le faisait, tu pouvais peut-être pas l'activer en fait, tu sais. Non, non, je peux pas. Au début, j'ai. Mais comme j'ai pas appuyé, bah en fait, le mec il a fait à ma place. Bon, tant pis. Hein. Par contre, comment tu dois gagner masse points quand tu fais ça? Non? Je sais pas. Attends, quitte deux secondes. Pour, je vais lancer l'autre map vite fait. Un petit coup pour la montrer sur le stream. Vas-y, quand t'es bon, tu lances. Lancer là. Et donc là, le but de la map, c'est vous allez voir, il y a des. Ah là là, c'était une bonne des trucs qui tombent, il faut les ramasser. Il faut les ramasser. Et ceux qui en ont 5, ils ont gagné. Ou par rapport au temps, ceux qui en ont le plus gagnent aussi. Alors, c'est un peu plus bourrin là quand même. Hein. Dans le sens où tu respawn, tu fonces, tu respawn, tu fonces, tu respawn, tu fonces. Bon, tu me diras, dans l'autre, c'était un petit peu comme ça aussi, mais. Je sais pas du tout. Points, je sais pas combien. Non, peut-être pas. Putain, faut que je. Fou.
T'imagines là, tu fais gagner toute la partie quoi. Ça a commencé déjà. Ah, j'avoue. C'est énorme, tu te rends pas compte. Toute la partie que tu fais gagner. Oh non, putain, j'ai pris le sniper au lieu du truc. Ouais, ils sont tous dessous là-bas. Putain, j'ai tous les mauvais trucs, j'ai même pas le bouclier, j'ai le sniper. Ah, je te peux prendre un sandwich. Donc vous allez peut-être pas voir sur la vidéo parce que malheureusement avec la qualité à laquelle je stream c'est pas top, mais graphiquement le jeu est vraiment très très beau. Moi je sais que je connais des gens qui ne jurent que par ça, que par le graphisme, qu'il faut que ce soit beau. Et là franchement je peux te dire que tu te régales les yeux. Donc là voilà, on a pris le deuxième, voyez où il y a marqué 2. Oh là là, je suis coincé. Je suis coincé dans le décor. Ouais, je t'ai vu. Je t'ai tué. Bah non, pas que je t'ai tué. Bah j'ai lancé la grenade, mais elle tombait par terre quoi. C'est bon. Ouais, c'est à toi ça. Mais à chaque fois je me coince. Donc voilà, le but c'est de capturer ces petits machins là, ça se remplit au-dessus. Ça se remplit, une fois que c'est plein on gagne un point. Grenade. Le snipe ici, c'est puissant ici. Hein? Le snipe ici c'est puissant hein. Bah si tu mets juste dans la, comme plus proche dans la tête, c'est plus simple à mettre. Regarde. T'as tué celle même que moi. Vas-y, tu peux respawn sur moi. Ah, trop tard. Ouais, c'est trop long en fait. Ça arrive à 3. J'ai une orbital strike. Là ils ont récupéré le truc. Oh mais tellement je lag des fois, quand j'envoie une grenade, je vois deux fois la grenade partir. Les gens ils ont pas compris qu'il fallait aller à l'orbite. Comme il y a une orbitale, ils peuvent pas avancer. Oh la grenade, BAM. Putain, ils vont l'avoir. Giga de RAM, je verrai le propre yeux. À 4 Go de RAM, c'est vrai que t'as peut-être pas le truc. Faudrait peut-être au moins 10, 8, 10 pour quelque chose de correct. Moi j'ai pas mon jetpack, je me sens revenu au niveau. Putain, mais ça marche pas les orbitales avec les jumelles là. Ouais, faire clic droit pour viser. Ouais, c'est l'angoisse quoi, à chaque fois. Donc là la technique c'est de prendre des boucliers personnels. Derrière putain. Il y en a un tout au bout là, je vais aller me faire au snap lui. Là-bas.
Oh, s'il y en a un qui va dessus, je lui mets une balle. Dans la tête. À gauche. Attends, c'est les gars. Au-dessus, au-dessus, il est au-dessus. Putain, mais comme ils sont tous. Les mecs ils respawnent à côté, tu as vu? Oh le bordel. La guerre. Et on récupère encore. Oui. On se fait laguer quand même. Sur moi, sur moi. Vas-y, récupère, je te coupe. Tu marches, moi. Je vais mourir, je suis mort. Tu peux venir sur moi. Arrive en face, juste. Ici. Ça va arriver à gauche, là, je sens. Y'en a un qui récupère, putain! Je l'avais pas vu ça! Putain! Je voyais un mec, tu sais, qui récupérait, enfin qui tirait sur le truc, je comprenais pas. Il y en a un qui ramasse, je crois, non? Non, 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 j'y suis là, personne. Ok. Pourquoi il y a deux qui se mettent en même temps? Ouais, parce qu'en fait, quand c'est trop long, il y en a un autre qui. Tu fais exprès pour que ça débloque le chemin de blick. Oh! J'ai sauté et marqué You Die. Ah. J'ai même pas marqué, tu sais, je me suis tué moi-même, machin. Il y en a un bas, putain. Putain, mais ils nous mettent super loin, nous, à chaque fois. Je m'étonne. Bon, en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'il y en a moins. Il y en a derrière nous. Vie, mais... Ils sont tous derrière au niveau du vaisseau. Ils arrivent par en bas. Ok, GG, c'est gagné. Ouais. Yo. Yo. Bon, là, l'Empire a. Je trouve qu'ils sont moins camouflés sur cette map. Putain, ils sont endormis. Vous allez voir, ils sont. C'est bien, je l'enfermais. On les voit beaucoup mieux parce qu'ils sont blancs, du coup ils n'ont pas de tenue camouflée par rapport au rocher. Je reviens dans 2 minutes. Hein. Ouais, vas-y. Bah, ça va relancer quoi. Lancer, ouais. J'arrive. Donc là, on va être sur la même map et avec. Côté opposé quoi. Donc en bas il y a des challenges à faire, je sais pas trop ce que ça fait, je crois que quand on les réussit en gros on a des sous en plus, des bonus. Donc argent qui sert à acheter tous ces trucs là. D'ailleurs on peut acheter le dernier truc qui manque.
J'ai 10 boucliers, on va racheter les trucs à ion. Ça sert à quoi le truc à 4500 là, le trait qu'on peut équiper là? C'est quand on joue au snipe, quand on tue des gens, j'ai pas compris, des headshots, alors, on est plus puissant. Ça dépend, en fait. En fait, ça te réduit le dingue. Par exemple, des trucs là, tu vois. Ouais. Ça va réduire genre le cooldown de. Mais il y a marqué niveau 1, 2, 3, 4. Dès que tu mets une tête, ça va te mettre au niveau 2 et après. Ah, ok, d'accord. Et ça marche pas que comme ça, ça marche aussi. Je sais pas, dès que j'ai tué. Dès que je suis déjà avec des machines, ça marche. Après, je sais pas, par exemple, avec la TST, c'est comme tu tires dans l'air, ça compte comme. Ouais, bah ouais. Je sais pas. Et faut pas mourir. Entre chaque truc. Oui, donc c'est impossible en fait. Ah, c'est possible, mais tu l'as pas longtemps. Là, je suis en près 2 et je vais mourir. Les gars, vous êtes dans une partie ou... Ouais, on est dans une partie. Mais tu peux rejoindre, il y a deux places. Ah merde, je suis parti du mauvais côté. Non, c'est moi qui en face. Non, mais il parle pas de ça. On est archi loin. Garde-le lui, hop, campeur, je te fume. Moi j'utilise les snipes pour décamper les gens. Alors, par contre, il faut prendre en compte à l'infini le délai avant que la balle touche parce que au snipe par exemple, ça y a vraiment une grosse différence des fois. Ils sont où? C'est bon. Il y en a en haut apparemment. Ouais, il y en a en haut là-bas, je le vois. T'arrives à gauche. Derrière. Juste tout est normal. Il est mort. Il y a un deuxième. Putain, dans l'équipe, ils font du 11-0, 7-0. Attention, il lance une grenade en bas. Ah bah c'était lui qui m'a tué. J'ai pris un bonus, je sais pas ce que ça va être, mais... thermal. Ils arrivent tous par en bas là. Je trouve que le snipe il est pas mal, tu sais, pour quand t'as un mec qui va prendre, tu lui mets une balle dans la tête avant qu'il récupère. Deux. Tu sais qu'il va. Le snipe, quand il y a un mec qui va récupérer le point. Ah oui, oui. Bah tu lui mets vite une balle dans la tête avant de. Y'a un mec sur le point. Moi quand je capture, je bouge. Hein. Personne sur le point. Ouais, ah, il est mort. Ah, c'est mort. Lol. Il y a un gars dans la colline en haut qui campe. À gauche. Ah, j'en vois deux là. Ah, ouais, il est mort, je crois que ça a explosé dessus. Bon, on l'a eu. Il y a un mec dans une tourelle là-bas. Ouais, il est mort. Ah, il y a un mec qui s'appelle. Il a un nom en blanc. Il y a Ozak qui campe là-haut. Ouais, il y avait Ozak qui campait derrière le rocher. Oh là, oh là, calmez-vous là, c'est le bordel. Merde, c'est là-bas qu'il faut aller. Il y a Ozak qui va mourir.
Salut, tu me suis depuis tout à l'heure. Ouais. 15-0, 16-2, ils font dans notre équipe, parce que c'est bon. Moi je suis à 3-3. Ozak il a fait une fumée. Il y a un mec qui va avec un bouclier sur le point. Ah bah je peux rien faire. Bon on l'a eu de toute façon. Il y a Ozak devant moi. Ben quand je tourne ma caméra, je les vois arriver par derrière plutôt. Enfin, le rectangle rouge elle arrive par derrière, au niveau du vaisseau qui est posé. T'arrives par là-bas. T'es où, Zach? Six. 4-4, wesh, trop bien. Mais pourtant t'es des fois, mais en fait j'ai l'impression de tuer masse monde. Mais c'est parce qu'en fait à chaque fois je fais les dégâts et c'est les gens qui me KS. Du coup ça compte pas comme un kill. Mais je gagne 1 milliard de points. Mais en fait je fais jamais de kill parce que c'est... Ouais mais moi des fois de ça avec le surtech snipe, tu fais des 100 et après tu vas marquer oh plus 100 critique. Ouais c'est ça. Ah, vas-y moi je reviens. Ça va, ok. J'ai qu'à vous pomper. Vas-y, je reviens dans 10 minutes. Hop, ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure. Attends, 2 secondes, Zach. Du coup, voilà. Je vous ai montré les deux modes de jeu disponibles durant la bêta. Donc je sais pas ce que vous, vous pensez du jeu, si ça vous plaît pas, si vous attendez le jeu, si vous attendez pas le jeu, je sais pas trop. En tout cas, ma foi, ça a l'air plutôt sympathique, parce que bah, déjà t'as l'univers Star Wars, donc ça change un petit peu des Call of Duty et compagnie. Il y a l'air d'avoir des modes de jeu peut-être différents, plus d'ajouts, donc on a les vaisseaux, les trucs. Après je pense qu'il y a quand même encore un gros équilibrage à faire au niveau des points de spawn, peut-être des maps, les différents objets qu'on peut utiliser ou pas. En tout cas, à voir. On a pu voir aussi tout à l'heure, on me disait qu'avec l'argent qu'on gagne, on pourra aussi débloquer donc nouveaux costumes pour les personnages, c'est plutôt pas mal, et on pourra peut-être custom un peu plus les trucs. Après, voilà, le jeu là, il était, je crois que la version deluxe est à 70€. 70€ pour avoir juste deux émotes différentes, et après ces trois trucs, on les a avant les autres, une semaine avant. Sinon, le jeu est à 60€. Ça fait quand même assez cher, quoi. Du coup, je sais pas trop si je vais le prendre dès qu'il va sortir ou quoi. En tout cas, voilà. Ben, je vais arrêter là le stream, du coup. Sur le jeu, j'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez la VOD sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour pour pouvoir voir d'autres choses. En tout cas, voilà. Moi, j'attends le jeu, ouais. Après, franchement, j'ai peur que si j'achète le jeu, que j'y joue pas très très longtemps, quoi. Alors, ça va être l'histoire de quelques semaines et après aux oubliettes, quoi. Donc, à voir. À voir. En tout cas, merci d'être passé. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.